Ouais, mais c'est vrai que c'était pas voilà une tâche évidente quand on vient chez le leader et qui est invaincu chez lui. C'est forcément un match voilà qui s'annonce difficile, mais à l'arrivée il fallait croire en notre équipe. Moi je suis persuadé que ces garçons ils peuvent faire de très belles choses. Après on n'a pas toujours été en réussite ou voilà il y a eu des petits facteurs, des petits détails qui ont fait que on est en déficit de points depuis le début de saison et voilà, c'est, je pense, quand même un match où tout le monde s'est vraiment donné à fond. On a fait ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire les empêcher de sortir, jouer, on a pressé assez haut. Voilà. Après, il y a eu des situations chaudes aussi devant notre but, forcément, parce qu'il y a une belle équipe en face. On a su répondre aussi, je pense qu'on a vraiment quelques situations très intéressantes. On n'a pas toujours pu finir comme on le souhaitait. Et on ouvre le score, donc après il a fallu faire un peu le dos rond, même si on a encore quelques situations derrière pour pourquoi pas voilà, respirer encore un peu mieux avec un deuxième but. Mais voilà, on a su résister sur la fin parce qu'ils ont beaucoup allongé avec deux grands attaquants à plus d'un 90 qui déviaient beaucoup de ballons. Donc du coup, on a su, contrairement peut-être à d'autres matchs où on était frustré parce qu'on prenait un but sur la fin de match qui nous faisait prendre qu'un point. Là, on a su garder ces trois points bien au chaud et franchement, ils nous font du bien. Ça récupère un peu les points perdus, notamment le dernier match contre Dunkerque qui était frustrant. Et voilà, maintenant on va pouvoir surtout bien récupérer parce qu'encore une fois, les garçons ont donné beaucoup, beaucoup d'eux-mêmes. Et il faut qu'on récupère bien pour préparer du coup maintenant à nouveau trois matchs en 10 jours. Donc, dont deux à domicile et le match en retard à Avranches. Mais avec cet état d'esprit, avec les garçons tels qu'ils sont actuellement, voilà, avec. Les garçons qui étaient malades aujourd'hui, là les garçons qui sont rentrés ont vraiment fait aussi voilà, une très belle rentrée, qui ont aidé l'équipe à continuer à être voilà, devant au score et garder ce score. Donc voilà, c'est comme ça qu'on aime voir le FCVB et j'espère que ça amènera d'autres victoires pour qu'on puisse voilà, respirer un peu mieux au classement.